Salut, chers internautes, bienvenue à notre nouveau numéro de la rubrique Top 20. Donc, juste pour vous expliquer la rubrique Top 20, c'est juste pour vous donner les informations clés sur tous les événements, toutes les situations qui se passent actuellement à Kinshasa, actuellement en fait, dans la communauté congolaise. Donc, juste vous habituer avec Top 20 parce que nous aurons vraiment des rubriques très, très, très spécifiques. Donc, comme je disais, un grand merci à vous, un grand merci de vous avoir abonné massivement sur CNews New Look et puis chez mon compte officiel. Merci beaucoup à vous. Donc aujourd'hui, nous aurons quand même des informations à vous donner, dans un moment d'information. Aujourd'hui, nous allons parler de l'artiste du départ de l'artiste Ambassy, dans le groupe Naïe, Ouazaraki et Fétime. Et puis nous allons parler encore de l'artiste Perinola qui a obtenu un fonds de visa pour amener toute son équipe à Paris après plusieurs années. Et puis nous allons parler de la citation de Igor 2 minutes. Tous les événements, les vidéos qu'on a suivies sur Internet, nous aurons le temps de revoir ça et puis de réécouter et puis de piocher quelques informations et quelques commentaires dessus. Juste avant de continuer, je vais demander à l'équipe technique et mettre une courte page sur le Twitter. Et puis nous allons revenir enfin et développer ces trois sujets. La technique, si vous êtes en accord avec moi. C'est la TV et y en a ma cambouille à Sikalizouzou. Oh, ma chaîne y a France, et Zanakati. Ma chaîne y a Congo, et Zanakati. Ma chaîne y a Londres, et Zanakati. Au moment où ma cambouille à politique y a Sika. Oh, parti AA. Ezanakati. O parti BB. O CFAIO. Ezanakati. Ya sepela TV. Bouke comme ka mouke boy. O tina poche voyager na ngoke no partout lingi. Na bouke no ya sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso ne ngozo mimabiso wana kaka. Machine ma daka daka. Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Merci beaucoup. Donc, comme je le disais, aujourd'hui, nous avons trois informations à vous donner par rapport à tout ce qui se passe au sein de toutes les, au sein de la communauté congolaise. Et puis, nos artistes, nous, les gens qui les suivons, nous, les fanatiques, nous avons aussi quand même droit d'avoir les informations sur tout ce qui se passe sur la toile congolaise. Donc, comme je disais, aujourd'hui, nous allons parler du départ de l'artiste Ambassy. Ambassy a passé quand même 14 ans auprès de Fally Ipupa, auprès du groupe F Victime. Aujourd'hui, Ambassy a décidé de cliquer la porte, de claquer la porte, pardon, de claquer la porte de F Victime. Aujourd'hui, Ambassy a décidé qu'on sa la carrière solo. Mais non, pour des raisons, les raisons jusque-là, je dirais, il y a plusieurs, Bertebélé, bah, j'ai ignoré ma raison, mais selon quand même, quelques réflexions, selon quand même le détail qu'on a pu obtenir, pardon. Tout du goyon a qui Fally Ipupa, lui-même, était au courant du départ de Ambassy. Parce que Ambassy devenait hautain. Bon, Ambassy a remarqué moi orgueil. Et puis, Ambassy a attaqué ma position trop. Fally Ipupa était au courant déjà de son départ. Et puis, ce que vous remarquez, il y avait quand même un temps où Ambassy n'a pas eu le privilège de auprès de Fally Ipupa. Déjà, je rappelle qu'auprès de Fally Ipupa, Ambassy a des vocaux. Voilà. Ambassy Azagis n'a des vocaux, Niango Alongweli, n'a F victime. Ambassy, il a juste zéro chanson enregistrée dans le groupe F victime. Par rapport aux autres, Otoyebi, F victime, qui ont quand même plusieurs vocaux, Ambassy Aza, juste un des vocaux. Est-ce que Ambassy a commencé à se sentir plus danseur que chanteur?
Est-ce qu'Ambassi a quand même se sentir beaucoup plus négligé, beaucoup plus communicateur que chanteur? Parce que ce qui te comptait, les lots n'a pas sorti médiatique, qui a équipé l'Union, il a fallu, je crois, Ambassi peut battre le record, il a pas sorti médiatique, il a pas sorti médiatique et Bélé. Donc, Ambassi n'a plus trouvé sa place, n'a aussi des victimes. Voilà pourquoi il a claqué la porte. C'est la question qu'on doit se poser, c'est la question qu'on se pose. Mais au vu de tout ce que je dis, c'est quand même de bonnes raisons où il peut épouser Ambassi à Longwa auprès il a fallu pour pas. Après 14 ans de service, après plusieurs voyages, plusieurs salles accomplies avec Fally Ipupa, mais record musical au prix à Fally Ipupa, Ambassi, je vois que c'est vraiment beaucoup plus bas. Donc, tout ce qu'on peut souhaiter à Ambassi, c'est bon vent à Ambassi. Et puis, il nous annonce encore sortie à Maxi Signale et Zobima pour bientôt. Donc, parlant, on peut encore une fois comprendre qu'il avait déjà quand même préparé son départ, qu'il s'était quand même très bien planifié après toutes les 10 hauts de Yoka, Nasige à Ambassi. Bon, après Ambassi, il a quand même aussi un plan des affaires, OK? Parce que Toyoki, Walobi, Ambassi, P. À Tongaki, à faire, il y a 100 000 dollars, il fallait pour pas. Oh là là. Donc, comme je disais, donc, après tout ce qu'on apprend encore une fois, que Ambassi à Kenapoto, il fallait pour pas. Sur ses cachets, il y a 100 000 dollars. Il y a 100 000 dollars pour Nabanzembo. Ça aussi, on vient de l'apprendre. Et comment qu'il n'a pas tout, il a fallu ou pas. Il a commencé à mettre Ambassi à l'écart jusqu'à ce qu'il a compris qu'il n'avait plus sa place. Donc, il portait F victime. Aujourd'hui encore, comme je disais, bon courage à toi, Ambassi, force à toi pour ta carrière solo. On souhaite que Ezala Malamu Ponayo. Et puis, comme je disais, Ferrigola, après plusieurs années d'absence de la scène européenne, enfin, il a obtenu ses 100 visas pour sa délégation pour le départ de Adidas Arena. Le concert est prévu pour le 20 et puis le 21 avril 2024. Donc, aujourd'hui, Ferrigola, on peut compter qu'il y aura une délégation de 100 personnes qui vont l'accompagner pour ses grands spectacles. Férigola qui va se produire dans Adidas Arena le 21 et le 20 et le 21. Donc, en disant double Arena pour Férigola. Donc, nous aurons la liste de la délégation de Férigola prochainement. Donc, là, nous allons savoir, est-ce qu'il y aura aussi des chroniqueurs dedans? Est-ce qu'il y aura aussi des influenceurs sur la liste? Est-ce qu'il y aura aussi des pro-Ferrigola autour de l'Internet sur la liste? Nous serons là pour déterminer un groupe prochainement quand on aura la liste. Il y a 100 personnes au Yobazu Visa. Quand il y a Ferrigola après plusieurs années d'absence sur la scène européenne, je pense qu'il a que manqué là. Ferrigola et puis Ferrigola en. Les gens se posent la question, sur les 100 personnes, est-ce que ton mentor, Weiranson, est-ce qu'il sera parmi les invités, entre guillemets, on ne sait pas pourquoi il ne sera pas là, on ne sait pas, mais on apprend aussi la présence des Koffi Olomide qui sera parmi les invités des Ferrigola. Qui sera parmi les invités des Ferrigola pour ces grands concerts. Donc, je vous annonce officiellement que Koffi Olomide sera de la partie. Pourquoi Koffi Olomide? Pourquoi pas Weiranson ensemble? On se pose la question. Vous savez, il y a tout le temps de l'eau à boire sur certains sujets.
Donc, je disais donc Koffi Olomide sera de la partie. Donc, Ferregola a préféré Koffi Olomide qui est ensemble. On ne sait pas pourquoi, pourquoi ce choix. Est-ce que le choix est légitime? On ne sait pas. Bon courage à toi, Ferregola. Bon courage à toi, Ferregola. Bon courage à toi, Ferregola. Bon courage à toi pour ton concert à Paris le 20 avril de l'année 2024. Autre sujet qui bouge à toi, le Congolaise, c'est le sujet qu'on a appris hier, tout récemment sur Igor Deminute. Igor Deminute qui a réussi quand même de menace. La régie peut mettre la vidéo. On va juste écouter la fille Oya Pruna qui va menacer sur Igor Deminute. Et puis on va revenir juste après. Tara médecin, tara le docteur Epsingabi. Et puis dans mon Congo, bah, ouais. Je peux colonne. Voilà, est-ce qu'on a chancé? Abi, il faut continuer à prier ton Dieu. C'est au moins la mort, il y a salité, salité. Kangam no konayo. Bah, on a ce bateau, bah, on a ma femme, il y a Djani. N'est-ce que moi, on a? Bah, on a ma femme, Djani. Quand ils sont venus, on a salité, on a fait sa famille à Djani. Bah quand ils m'ont dit, bah ils m'ont dit, bah ils m'ont mis sur, na matanga jani, ata 1 euro au bachezan, na na liste. Ils sont vrais. Yo maintenant respect, yo ressort. Merci beaucoup la régie. Donc on vient de voir la vidéo, c'est quand même déplorable. Ça fait quand même mal de voir ces genres de vidéos, ces genres de messages, de menaces qui touchent à Igor Deminute. Bah, Prometta qui est que Arukota Paris te Arulegata des reports Yanjili te parce que c'est une affaire où et où ça remonte quand même bah menaçant à Igor Deminute parce que ça y est comme on vient de suivre la vidéo à l'objet que affaire ça à un procès. Affaire est en cours jusqu'à présent. Le procès n'a jamais été prononcé pour faute de preuves. Donc, la sortie médiatique, la sortie de la fille, et bien, qui s'est mis sous ma preuve, n'a siégé à Igor 2 minutes. Donc, quand je disais, donc, 2 minutes, Aza, victime, y a menace pour na Likambu Oyo, Moko Eleka Kala. Et puis, en écoutant la fille, c'est par rapport encore au dossier de la Brine, mais sous moi, siégé Oyo. Donc, on va suivre le dossier vraiment à la lettre pour avoir plus de détails. Donc, là, je vous confirme actuellement qu'Igor Deminute séjourne actuellement à Paris. Mais vu les menaces qu'on a vues sur les réseaux sociaux, vu toutes les menaces, on va essayer de suivre l'affaire à la lettre pour voir comment est-ce que notre artiste, l'artiste Igor Deminute, Azali, vivrait actuellement à Paris. Donc, vous allez vraiment vous habituer avec ça. Donc, c'est l'émission Top 20. Donc, nous serons là pour vous annoncer les moments forts qui a bougé la toile congolaise. Donc, je vais juste rappeler qu'on a parlé de l'affaire Ambassy, le départ des Ambassy au sein du groupe F-Victime, qui a pris 14 ans, il a attaqué la porte de F-Victime, une faible partie. Et puis, on a parlé de l'obtention de visa pour 100 personnes
et a Ferreira après plusieurs absences de la scène européenne. Enfin, Ferreira doit se produire à Paris prochainement avec son équipe, avec toute l'équipe. Merci beaucoup, Ferreira. Et nous sommes de cœur avec toi. Et puis, on a parlé de Igor Dominier, toi, et on a été victime de la menace de Toyuki. Mais quand c'est l'année tienne, nous serons là pour vous informer toujours, pour que tout ça bien toujours en avant, tout ça bien toujours en actualité, il y a un moment fort, nous sommes dans la toile congolaise. Mais avant de nous séparer, nous n'avons pas oublié de passer nos condoléances à toute l'équipe de la grande famille Gospel pour la série de Sikunda du groupe Gona Sister, Oyati Kibiso récemment, paix à son âme. Et puis, je dirais encore un grand merci à toute l'équipe technique. Je dirais encore un grand merci à toute l'équipe technique qui font avec moi jour et nuit. Mais avant de nous séparer, écoutez, nous allons suivre une vidéo, c'est quand même marrant. Nous allons suivre une courte vidéo dans les cadres comiques. Rien de personnel, on va juste le suivre et puis on va revenir pour nous dire au revoir. La technique, s'il vous plaît. Prophète de la nation. Oui. Attention, prophète. Voilà. Prophète a bien maille. Prophète de la nation. Oui. Attention, prophète. Voilà. Prophète a bien maille. Prophète de la nation. Oui. Attention, prophète. Voilà. Prophète a bien maille. Prophète de la nation. Oui. Attention, prophète. Voilà. Le prophète a bien maillé. Ah là là. Ça fait rire quand même, ça fait rire. Prophète de la nation, prophète de la nation de l'Église. Ah, prophète de la nation, le prophète a bien maillé. Donc, c'était vraiment pour rigoler encore une fois, mais on doit savoir qui est dans notre pays. On doit savoir à qui on doit se confier. Là, on vient de voir pour faire des relations. Les prochains, ça va être qui? Toyeba Nami Otoro, ça a la confiance de Mouralis. C'est pas n'importe qui. N'a n'importe quel titre. Vraiment, un grand merci à vous, un grand merci à toute l'équipe, un grand merci à Choisi Matata, le Vénérable, et puis Papito Kindoudi, le bras droit du chef, et puis à toute la fondation Choisi Matata, un grand merci à vous, un grand merci à tous les artistes, comédiens et puis musiciens, chantres, un grand merci à vous. Donc, quant à moi, je vous laisse là. Donc, on va se retrouver prochainement pour le prochain numéro avec d'autres informations qui vont encore vous mettre dans le bain. Je vous invite à vous abonner massivement sur nos chaînes IC News New Look officiel et puis chez vos conduits officiels. Abonnez-vous massivement. Quant à moi, je vous dis ciao, bye. On se retrouve prochainement avec un nouveau numéro de Top 20. Quant à moi, je vous prends congé. Au revoir. C'est pas la TV et y'a na makambu ya sikali susu. Oh, ba chaîne ya France, eza na kati. Ba chaîne ya Congo, eza na kati. Ba chaîne ya Londres, eza na kati. Oh, n'oumou na makambu ya politique ya sika. Oh, parti AA, eza na kati. Oh, parti BB. Oh, CFAIO, eza na kati. Ya c'est pas la TV. Bouquet comme il y a un bouquet boy. Ou tu n'as pas de voyager dans le partout lingi. Na bouquet no ya c'est pas la TV. C'est pas la TV. Mais ma bisonne, ma bisonne, ma bisonne, ma kaka. Machine, ma daka. C'est pas la TV.
Bienvenue dans le monde de CPLA TV. CPLA TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Tchassa Tolanda, Isenio, Brazzaville.